Ok, on est reparti. On va mieux s'équiper cette fois. Par contre, je vais voir pour le mec au lance-flamme. Du coup, on n'a pas vraiment de réserve en fait. Ouais, ouais, on n'a pas vraiment de réserve. Voilà, on lui met ça. C'est parfait. Je pense qu'on est pas mal. Oh. Huh? Oh, shit. Let's go on, Rangers. Alors, on va tester un peu d'autres. J'ai essayé d'avoir tué votre frère. Non, on va faire ça. On va se taper sa gueule. Très bien. Votre aussi a pas un élu de sang. Vas-y, lèche-cul, on va voir. Don't listen to them. We outnumber them 2-1. Oh, that may be true, Erastus, but so did Jared and his boys, right? Yeah, a lot of us could die. Who cares? Jared's gotta be avenged. Sorry, Erastus. Put your gun up. We want to get home alive. Oh. Cowards! Traitors! Apostates! This is mutiny! You don't deserve to be washed in the deluge! Alors, achetez-vous un ordinateur, vu peut-être que vous pourrez calculer quand vous êtes en infériorité numérique. Rentrez chez vous. Vas-y, on va faire truc d'intello. Calculate this, motherfuckers! Enough! Plus your belly equals your intestines steaming in the snow. You hear me? Come on, Rastus, stand down. Let's get out of here. Ce serait bien qu'il se retourne contre lui vraiment et qu'il l'attaque. You ain't seen the last of me, you butchers. Ah, il disparaît, ils partent. Ok. Ok, ok. On a eu de l'expérience pour ça, apparemment. Ok, pourquoi pas, parce que c'est vrai que... Bah, ils étaient un peu costauds, donc j'ai envie de dire... ça peut être intéressant aussi, hein, de jouer comme ça. On va mettre premier soin avec 4. Et lui, on va... Ouais, lui, on touche pas. Bon, bah c'était... Enfin, moi, j'aurais voulu les combattre et tout. Je pense qu'on peut. Honnêtement, avec un peu de chance et tout ça, un peu mieux fait et tout. Mais bon, c'est quand même un combat de fou. Hein. Très difficile. Donc là, on s'est... Là, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas le... les combattre, et puis plus tard ils reviendront sûrement. Je suis quasiment sûr qu'on les reverra. Chasseur de balles, trappe, fusil à canon scié. On va aller parler aux gens. Voilà, ça c'est des combats, des fois on peut devoir les faire, ou alors si on a de la bonne conversation, on n'est pas vraiment obligé de le faire non plus, de faire les combats. C'est intéressant. Rangers, in all our years, we ain't never seen raiders put up their guns and walk away. How'd you do that? We're the Hoons, by the way. My name's Avey, and
this here's my husband Angus. Oh, c'est quoi ça? You strangers saved our whole family from those bushwhackers. Except for poor old AD. Who are you folks anyway? Alors, Rancheur du désert, Team November, travaillant pour le patriarche. Simple ami, Ranger. Desert Rangers? Well, that's a new one on me. But we're always the last to get news, living way up here. Tell you what, we ain't got much money, but we got more bullets stashed than we'll ever need. Back when we were young, we were always saving for the next shootout. La Bible des fantassins. Les planchers ressemblent aussi impressionnants également au matériel. Oh, on a plein de munitions aussi. Ok, ça marche. Et dans les sacs, motif floral, vous le remet. Ça, c'est bien ça. That ain't near enough for saving our lives, but maybe it'll help keep you safe. J'ai quelques questions à vous poser avant de partir. Questions? Okay, let's hear them. Est-ce qu'on peut vous tuer et ramasser tout ce que vous avez? Vous déjà vu à faire au torset, modification condition remplie. Pourquoi avez-vous cette arme sur votre cheminée? Oui, on dirait un fusil d'assaut. That belonged to our son, Alistair. He was a good kid. Got it into his head that he wanted to fight for law and order. So he joined the Patriarch's Marshals down in Colorado Springs. Didn't take him long to get promoted to full marshal. Sheriff Daisy pinned his star herself. Then a few weeks later, he was shot down on the street trying to break up a fight. Alistair whom? I remember him. Nice fella. Help train me to shoot. Alistair built that gun with his own two hands. It's all we have left of him, so we like to keep it close. Nous allons regarder cette arme de plus près. Je n'ai utilisé sur les saillants de qualité, illustré et impeccablement contenu sous le fusil, on peut lire une plaie gravée à la main en mémoire de notre fils Alistair. Décrocher, ne pas toucher le fusil. Alors on va pas le toucher. Alors, on a eu tout ça, très bien, et on a eu ça. Augmente les armes automatiques de 1, de manière permanente. Les armes automatiques, donc c'est lui, hein, on est d'accord. Armes automatiques. Je me demande si on devrait pas attendre d'utiliser le livre quand ça vaudra très cher, en fait. Les points. Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Que là, si le livre il augmente vraiment de 1, augmente arme automatique de 1 de manière permanente. Autant attendre que quand ça vaut genre 4 points par exemple et utiliser ça, on est d'accord? Ça a du sens, non? Alors, on va sauvegarder. On va voir comment ça fonctionne. Lire arme automatique de 1. Ah, et là, ça vaudra 2 points. Là, c'est 5. À la limite, oui, c'est mieux de le garder vraiment pour la fin, quoi. Pardon. Non ? Enfin, je sais pas, si ça marche comme ça. On est d'accord. Après, je crois que c'était... Normalement, c'était 4 points, le... Le niveau prochain, là, ça, là j'ai vu 2 aussi. Alors peut-être qu'on gagne pas. Ah non, mais c'est commandement que je regardais, putain. Arme automatique. Ah non, non. 2, 4, 4. Ouais, on va attendre pour les derniers niveaux. Aïe, aïe, aïe. Désolé. J'imagine que si on prend l'arme, ils vont s'énerver. Monsieur le patriarche, il est temps pour partir. If you're ever up this way again, stop in and say hello. Ça marche. You're always welcome around here. I miss my brother Alistair. When's he coming home? I asked my mother if she'd let me have Dee Dee's corpse. She said no. Pardon? C'est une de nos armures qui fait ce bruit-là. Je ne sais pas comment je
pussies let them Dorseys go after they murdered Dee Dee? Oui, bah alors, hein. All right, fine. Sorry. On était un peu... Requiert, Charmer, Human, niveau. Billy et Jean. Alors, est-ce qu'on peut renvoyer l'animal ? Renvoyer. Regarde, chien battu. Oh là là. Voilà, dégâts critiques. 341. Putain, mais c'est un putain de tank en fait, le machin, d'accord. Le chien, je me demande s'il va rester là ou est-ce qu'il est renvoyé automatiquement. Est-ce qu'on peut lui reparler ou pas? Ah, waouh. J'ai rien dit. C'est quoi ça? Piège. Arme à impulsion. Alors, esquive et armure. Oh, ce bruit quoi. Là, on peut réparer ça. Ok, on a alimenté la porte et tout. Interrupteur. Il sert à quoi l'interrupteur? Choc large. Focus, objet utilisable. Ça va vous donner l'impression que vous pouvez embrasser le ciel. A plus focus, retire frais. Et là, on a si vous devez mourir, faites-le avec style, des cigares et de blé. Appelez vivacité d'esprit. Crochetage, ok, on peut allumer ça. C'est juste la porte en fait. Ordinateur. Lisez-moi. Salut. Config libérer bête. Déverrouiller bunker. Lisez-moi. Impression que vous pouvez aborder le problème d'un million de façons différentes sans jamais trouver une solution. Le sur le biais d'extraction. Incessante et de cannibalité espérée, c'est comme du CD. Ok, ça marche. Libérer bête.bin. Ouais, bof. Ça me. Dit rien qui vaille. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais... Config BIOS. Cabriolet ordinateur par un 3 grossièrement découpé à côté du châssis. Libérer bête. Des claquements secs en meuble à une porte en temps de verrou. Ok. Sac à alimenter maintenant.
Fuck you, world. Ah, ok. Attends, je vais voir maintenant. Ah ah, voilà. Ok, fallait laisser un mec sur la plaque en fait pour alimenter l'autre câble. Bon, du coup, maintenant on peut prendre tout le monde. Le corps est là depuis un bon moment. Journal du survivaliste. Chasseur, fusil de précision niveau 5. Mode d'arme sous le canon. Pénétration 99. Greffe un micro. Des micro-fusées hautement explosives. Aux munitions standard. 15% de chance d'appliquer armure endommagée. Requiert 8 de modification, même but, hein. Ok. D'accord, super le truc. Ce sera pour. Un truc plus tard, quoi. Attends, c'est là d'où on vient. La porte, c'est là. Ah, attends, on a un truc là. J'avais pas vu, il y a un interrupteur. Ah, sûrement pour la porte. Ouais, voilà. Bah, c'est sympa. Là, on a des modifications d'armes et armures. Je me demande si on peut les utiliser. Attends. Serre des hunes. Champignon, il y a un renard. On peut aller de ce côté? Oh, look, Billy. That's a first. Watch your fingers, Rangers. Okay. What can we do for you, friends? On trouvait un vieux bunker dans la maison, ça vaut ce sujet. Only that it's full of alarms and sleeping bots. Angus and I peeked in there a few times, but we knew better than to wake them up. Okay. Back before the bombs fell, a whole lot of folks built hidey holes around here. Some of them were awful fancy too. The families in charge of Colorado Springs are all descended from folks like that. Ornery, independent thinking types. Comment arrivons-nous jusqu'ici? Ouais, non, on s'en fout. Best of luck and stay alive. Ça marche. Ça marche, ça marche. Putain! J'avais bougé la caméra, j'avais pas vu. Putain. C'est chiant ça. Alors, un truc que je voulais regarder. Alors, j'ai une précision niveau 5, total niveau 3. Donc, ok, tu vas prendre ça à la place. Toi, tu tires des balles de 30-06. Alors, les 30-06, on a 43, ça va. Armure, on a ça qu'on peut mettre, qui est techno, cyborg, je sais pas ce que c'est. Là, on a fusil assaut niveau 10. C'est le même. C'est le même. Donc toi, tu pourrais le prendre. Pour les armes, on a ça. Pour les armes, on a rien d'autre. Et là, ça c'est du quoi en fait? Composant de fabrication, ça marche. Commandement des rangers. Ok, cool. On est bon.
tout prix, alors j'ai choisi le néant. On a des biches. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on peut partir. Je crois qu'on va retourner au camp. Je voudrais voir en fait si le chien est revenu. On devrait avoir 3 chiens. Et pas 2. Voir si le chien en fait revient directement au QG ou pas. Ou alors on est obligé de retourner au QG, de le renvoyer là-bas, de le stocker. Vous voyez ce que je veux dire? Hey Rangers, you tell your daddy the patriarch that we robbed his convoy and got his marshal's power armor. Ouais, ouais. Looks good on us too. T'inquiète pas, on ira les récupérer. See you soon, Rangers. We got Colorado Springs in our sights. Oh, and we were very respectful of the caravan guards. You fucks were too lazy to come rescue. We built a shrine in their honor. Ça marche, de toute façon, on n'avait pas le choix. On peut faire avance rapide. Enfin, avance rapide, genre téléportation, je crois. Genre automatiquement. On va retourner là-bas, je voudrais juste voir le camp en fait. Avec les animaux. Puis après on. Après on continue, pardon. C'est sympa avec le véhicule, vraiment cool. Hein, surtout que le véhicule, on peut l'utiliser en combat. Donc c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. J'espère qu'on pourra le modifier. Ah ok, donc le QG, c'est directement là maintenant, ça marche. Ah ouais, donc ils ont tout établi pour véhicule. Cool! Putain, ça tue! That kid Victory, that Valor kid doesn't sound much more stable than his brother. Très très bien, très très bien. Non, c'est là les... Back Rangers. Oh merde. I hope you like what we've done with the place. Ouais. The worst of the mess is cleaned up. Now, what can I help you with? Nous devons gérer nos rangeurs actifs. Vous avez parlé, qu'est-ce que vous trouvez? Si vous devez devenir notre chef de la sécurité, nous voulons savoir plus sur vous. C'est volontaire dont vous avez parlé, ce que vous avez trouvé. Well, I've got friends in the Marshals, the Patriarch's Palace Guard, and some local militias. They've always got more folks wanting to sign up than they have positions for. So I asked my pals to send over everybody on their waiting lists. Now, some of these folks may be, less than top grade for sure. But most will be solid recruits, ready and willing to learn. You'll have to pick and choose. Okay, ça marche. So long, Rangers. I'll be in the war room. Donc du coup, on peut passer à d'autres endroits. Je pense. Qui était bloqué avant, non? Peut-être pas. Bon, c'est pas grave, on va aller voir les animaux. Ça, je suis content. Putain, on a un putain de tank, là. Billie Jean. Bah, quoique, t'avais pas plus d'HP avant. Alors, je vais voir. 1, 2, 3... Non, ça va, c'est bon, on a 3 chiens. On a 3 chiens. Donc on peut... Mais t'en avais pas 300 et quelques constitutions. C'est bizarre ça. J'ai l'impression que notre
peut monter là? On était déjà monté? Oui, non, il y avait les mines, oui. J'ai l'impression que notre bestiole a baissé de niveau en fait. Parti. Donc, je me suis entraîné au coureur de sprint. Attends, d'abord on va faire la carte. On va aller à l'endroit où on était censé récupérer la power armor là. Voir un peu ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'ils ont fait un. Ils ont sûrement épinglé les. Les cadavres. The flame of liberty burns bright in our fair state, but not without help from you. If you would protect that flame, tend it, and keep it burning strong, then join the Colorado Marshals, the defenders of all our freedoms. Visit your local marshal station today and ask them what it takes to join. And make me proud. On n'a rien vu. Ils ont tout détruit, mais c'est pas grave. Pour l'instant ça se passe bien, mais c'est juste que les combats sont très difficiles en fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Genre des survivants, peut-être? Projetage 4. Par contre, pour les armes, on a un problème avec les deux. C'est quoi ces machins? Ourson grenouille. Oh! Wow! Ok. Pour les. Ouais, les armes lourdes, là, on a un problème parce qu'on a deux mecs avec des armes lourdes. Honnêtement, ça se passe pas super bien. Si on combat celui-là, l'autre il va venir, on est d'accord. Peut faire de l'Overwatch avec du lance-lame. C'est peut-être une grosse connerie. Je sens qu'ils vont se tirer dessus. Oh, il y en a deux. Charmé 48%.
sais pas si on va pouvoir le tuer. Ça fait chier parce qu'il y a la brebis là devant. Est-ce qu'on peut le rendre aveugle? J'ai loupé? J'ai loupé tous mes tirs? Non, ça. Ça a pas marché, je crois. Ce que ça va donner honnêtement. On a un truc qui va taper, lui là-bas là qui est bloqué, je crois que ça va. Oh mon dieu, non il est là. T'es sérieux, tu fais si mal que ça? Ah, le feu marche bien par contre. Hein. Le feu marche du tonnerre. Munition dans l'inventaire, 0, cool. Dégâts et bonus réduit d'armure à 675%. Attends, c'est quoi ton armure? 3. Pas vraiment besoin de détruire l'armure. Hémorragie. Ralentissement. Très bien. Toi, tu pourrais brûler. Brûler les deux. Ça a pas du tout marché. Super mal placé, c'est vraiment cool, c'est plaisir. Toi, tu me fais chier avec ton lance-flamme qui sert à rien. Non, mais t'es même pas chargé, c'est cool. C'est 4 PA. Elle est là en plein milieu, on va la mettre en défense. Un P insuffisant. Ok, l'autre comme ça. Très bien. Ok, mort. Ok. Pas mal. Ok, pour le moment, ça va. Putain, il nous faudrait du feu en fait. C'est vrai que le feu est pas mal. Toi, il te faut des grenades en fait. Putain, ça m'énerve d'avoir un mec inutile quoi. Il nous faudra. Va falloir le changer lui. Yes, t'as brûlé, tu brûles. C'est ce que je voulais. Est-ce qu'elle, elle peut refaire ça? Yes, très bien. On va y arriver, on va y arriver.
toi, tu sers pas à grand chose. J'aurais dû tirer sur l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, armure endommagée. Attends, on peut tirer sur les deux comme ça. Merde, j'ai tiré sur la brebis. Non, c'est pas très grave. Charge. C'est insuffisant, ça marche. Bon, ça va. On va y arriver. Je suis en train de me dire si on ne devrait pas utiliser ça. Ok, bien. Il a le debuff. Parfait. Oh là là. ...80 de dégâts de feu. Nickel. Nickel de chez nickel. Ah, il est parti l'autre, ok. Ouais, parce qu'il est charmé, donc du coup on le fait partir automatiquement. Clé-course. Eh ben, c'était pas de la merde. Assez content, c'est plus ou moins bien passé honnêtement. La chèvre, il faudrait la soigner aussi, non? Pigeon. Caresser la tête droite, la tête de gauche. Tête de gauche, la tête de droite semble jalouse. Tête de droite bègue, la tête de gauche semble envieuse. Oh là là. Alors, fais voir, on a eu un pistolet, arme de poing, semi-automatique, ça va. Et on a eu un casque, vitesse plus 1, armure plus 3. J'ai envie de dire que elle, ouais, on l'a fait, ouais, gros tank qui va devant en fait, avec le lance-lame. Mais lui, il nous faut absolument une autre arme, ça m'énerve ça. Ou alors il nous faut des munitions pour le... T'es fait. 23 à 29 de dégâts, pistolet. Vache. Ou alors il nous faut absolument des munitions de lance-lame. Trou de secours par un docteur. C'est où les soins, c'est ça? Ok. Trou de secours, trousse médicale. Retire les blessures. Quoi comme type de blessure? Précision, critique, esquive, temps de munition, moins ça. Voilà. Ah ça y est, elle a peu. On va la mettre à plus 4. Très bien. Et lui... Ah, j'avais dit qu'on voulait atteindre la coordination, je crois. Mais on va augmenter le charisme.
Alors, à partir du niveau 4, vos rangers gagneront un point d'avantage tous les deux niveaux. Les points d'avantage servent à obtenir des capacités puissantes et des bonus spatiaux. Ah, ok, ça marche comme ça. Alors. Un point restant. D'accord. Donc là, quand vous avez été mobilisé au combat, vous gagnez plus de points de vitesse de combat pendant deux tours. Alors, donnez un boost de 2 PA aux alliés se trouvant dans le rayon autour de vous. Ça peut être pas mal, ça. On va prendre ça. Le rassemblement. Après, toi, t'as quoi? T'as réduit l'esquive des ennemis à 15%, la cible marquée reçoit également plus 50% de dégâts de frappe chirurgicale. Moins bof. Gagne une constitution. Après, qu'est-ce qu'on a pour les explosifs? Requiert des explosifs. Distance des dégâts de feu, et explosion 20%, désarmement ennemi, 33% de chance de faire obtenir une grenade. Oh, ça c'est pas mal ça! Avoir des grenades. Ça c'est un passif du coup. Du coup, on a une chance d'avoir. Enfin, 33% de chance, une chance sur 3 quoi, d'avoir une grenade. Honnêtement, oui. Parce que les grenades ça doit être cher. Un tir de suppression. Alors, subissez 0 en vitesse de combat, moi je vous prends par exemple en 2 tours, inflige 300% de dégâts contre la. Quoi? Contre les cibles sous découragement. 100% de dégâts de l'arme, appliquant entrave. Intéressant. Mécanique, dégâts de bonus de robot et sur véhicule, ça c'est un passif hein, qui est très bon. Donc vous avez repéré, vont maintenant se faire attaquer par d'autres ennemis. Ciblage contourné. Ouh, ça peut être pas mal ça. On va prendre tir de suppression. C'est important, intéressant. J'ai envie de. Elle, ça soit modification d'armure. Et lui, j'ai envie que ça soit modification d'arme. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Pommette. Antidote. Je vais voir les munitions. Alors, on n'a pas de kérosène en fait. Objet mystère, merde de chien. Spécial. Tu vois. Objet créé. Ah, ça fait de la merde en plus, c'est ça? Merde de chien, j'ai cru. Waouh, trop bien, on s'amuse avec quoi, c'est super. Grenade à frag. C'est une grenade à frag fabriquée et sûrement achetée, ça doit être cher. Donc, autant. Bah, ouais, là, ça s'est bien passé. Allez, on avance. Puis ce mitrailleur, il est un peu pourri. Est-ce qu'on n'a pas fil d'assaut niveau 3 canoncier. On a un peu de la merde en fait. On va garder ça. Ça s'est bien passé, je trouve. Oh, il y a un tunnel. Ça s'est très bien passé. Creusable. Donc notre équipe est potable. C'est juste le... Cette découverte. C'est juste le deuxième lourd là qui me turlupine en fait, pour le moment. C'est quoi, c'est pour faire Solid Snake? Je pense que c'est pour faire Solid Snake en fait. Ouais.
peut le désactiver. Là, il y a combien? Il y a deux câbles. Il y a un câble qui mène nulle part. Port crochetage. C'est méga grand. Bon, on va désactiver, on va voir ce que ça fait. C'est sûrement pour un événement qu'on vient les sauver en fait. Je me demande si la bestiole, on peut pas même la balancer sur les ennemis. Je suis quasiment sûr de ça. À moins qu'elle arrive vraiment quand ils sont tous morts. Mais je serais pas surpris en fait. Oh, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce que le niveau 2, il faut de la force. Alors, gros dur, arme. Il faut 3 de force. Bah du coup toi tu peux, ça ferait gros dur et arme plus 4, là t'as quoi toi? Armure et vitesse. Ouais. Je refais le tour hein, vite fait. Bon, je crois qu'on a fini. Du coup, est-ce qu'on est sur avec notre véhicule ou pas? Ça va. This message is from the North American Air Defense Command. This is an attack warning. Repeat, this is an attack warning. A nuclear attack is now underway. Proceed to the nearest civil defense shelter immediately. This is not a drill. Stay tuned to this frequency for additional updates and instructions. This message will repeat. D'accord. Intéressant. Donc là, on a fait des journaux de mission. Alors, recruter le personnel pour le QG de Granger, joli, le médecin, pour l'infirmerie, un team. Ouais. Je me demande ça si on peut le faire ou pas. D'aller parler au shérif Daisy, le chef du Marshall Colorado. Ah, c'est parce qu'on n'est pas allé à la place, je crois. On va voir. J'aurais dû peut-être aller à la place en fait. On aurait pu peut-être monter de niveau déjà. Récupérer des trucs et avoir du meilleur matos. Enfin c'est pas grave, on fait les choses un peu dans le désordre de temps en temps. Genre quand ils me disent d'aller à Colorado Springs, c'est peut-être dans la ville en fait, non? On va voir ça. Et on a un docteur, oui aussi. Enfin avoir un docteur aussi pourrait aider, ça m'éviterait d'utiliser des soins et tout. Ouais, c'est pas grave. Il faudrait un marchand aussi, on n'a pas de marchand. Pour le moment, donc j'imagine qu'on va en trouver un là. Et s'il faut, je dis des trucs et c'est tout de la merde. C'est peut-être pas ça du tout. Bonjour. On a un chat ici. Alors attends. Alors. Bouge pas. On va apprivoiser le chat. Provision de coup critique. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais j'aime bien la vache en fait. La vachette là.
Sinon, une caresse au vent, du gratter le menton, renvoyé. On va récupérer ça. Je préfère ça en fait. En plus, vous avez vu que quand il faisait étourdissement. Ah, on peut plus les reprendre directement. Faut aller au QG. Oh, pardon. Désolé. D'accord. Ok. Wanna set your tire bead real quick and look impressive doing it? I've got a trick. Help. Talk to Jimmy Long. Tire on fire. Jimmy Long. Except don't use gasoline. Yeah, well, she's smart enough to know that. Anyway, just a quick shot of flammable ink. Aha. Hello. Hey, Jimmy. Glad to see you're okay. Dorsey's didn't get this far. Ah, on aurait dû venir ici en premier. Yeah, they didn't bother with us. They were after folks wearing badges like yours. I would have shot those Dorseys dead if they'd walked in my garage. Haven't seen your friends before. If you folks are looking for help with your vehicle, you've come to the right place. Alors, quel est cet endroit? On dirait que vous réparez aussi les gens. On dirait que vous réparez aussi les gens. Eh? Oh. That's Doc Parker. He needed a place to set up his clinic, and we had the space, so... Okay. Good thing, too. Those Dorseys hurt a lot of people with that little raid of theirs. We brought as many as we could in here, and Doc's been patching them up as fast as he can. Only got two hands, though. The best in Colorado Springs, no lie. He was the Patriarch's personal physician for a while. Took care of all the hoity-toits in Broadmoor Heights, too. Kind of pissed us off at the time, actually. Nice Arapahoe boy, taking care of the hemorrhoids of the 100 families and turning his back on his own people. Came home in the end, though. Remembered who he was and set up his clinic here. Been serving the working people of Colorado Springs ever since. This is the Colorado Springs Arapahoe Station. We got stations all over Colorado, mostly for fixing and supplying our own fleet. But we fix vehicles and sell parts to anybody. I'm the manager, Jimmy Longhall. That's my crew over there. You need any repairs or alterations to your ride, they're the ones who will put it all together. Best crew in the business. Good. Que vendez-vous? Anything for your vehicle. Have a look. Alors, fais voir un peu. Trousse à outils. Cette trousse contient tous les outils que vous aurez besoin pour effectuer la réparation de base. Mécanique plus 1. J'ai reçu mon pote Théo Klaxon de camionneur. Prix 250. Oh la vache. Rhino canon. Un énorme canon qui lance des obus très explosifs. Type de munition roquette. Ah ouais, chaud quoi. Fichez les... Inventaire, vendre la camelote. Du coup, on avait un peu de camelote. I'm thinking of joining the next supply run. This here's Market Square time. The Arapahoe garage is just outside the city gate. Est-ce que il va soigner gratuitement ou pas? Je crois que dans le 2 c'était gratuit. Hey Doc. Quan, hope you won't take offense, but I've got no time for niceties. Dying people take precedence. Understood, brother. Alors, j'ai besoin de quelques minutes de votre temps et quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous recoudre? Come on, Rangers. Didn't you hear him? He's busy. Oh là là. There are people literally dying around you, and you want me to ignore them to put a few band-aids on you? Fine. $20. I'll take a look for cash. Je pense pas qu'on ait besoin. Good. J'ai besoin de quelques minutes de votre temps. No. Told you he was prickly. Okay.
Attends, on peut peut-être aider les gens. Saignant énormément. Ça a besoin de trop de suture pour les gens. J'ai une trousse de suture. Hein. Ah non, j'ai pas. Est-ce que je peux en fabriquer? Trousse de suture fabriquée. On va faire une deuxième aussi. J'aime bien le bruit. Oui, alors attends, du coup on fait comment? Suture. Don't get cute. Sorry. Anyway, I didn't know they existed until my mom told me to go down to the closed my wound. I won't miss it. Staring at my own guts. What we didn't expect was 50 VWs. Thanks. In his garden. Would have bled to death without you. In a rich man's home. Damn waste of space. Hope you won't take offense, but I've got no time for niceties. Dying people take precedence. Patient blessé allongé. They're in bad shape, and I don't have the time or tools to save them. Ok, on vient d'en sauver un. Docteur Otto, pour lui rapporter le matériel, docteur Parker. Thank you. The things I need most are a suture kit, an injury kit, and a medic pack. Got that? These folks are literally dying on us, so don't fuck around. Great. Then get started on those patients. Ok, donc lui on est bon. Thanks. Would have bled to death without elle, c'est quoi? What we didn't expect was 50 VWs in his garden, hanging around. Non mais ferme ta gueule toi. Presque inconsciente. Ça m'a l'aide d'un outil de base, vous pouvez utiliser l'une de vos trousses médicales pour lui sauver la vie. Stop. Yeah, ferme ta bouche. Chut. Trousse médicale, ça marche. Je me demande si on n'a pas, on l'a pas soigné. Alors attendez, on va recharger la partie. Est-ce qu'on l'a soigné en avance? Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que ça a changé quelque chose avant de lui parler au docteur? Parce que j'ai peur de, d'avoir fait le truc à l'envers et on n'ait pas de récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y. Hope you won't take offense, but I've got no time for niceties. Je peux vous aider. They're in bad shape, and I don't have the time or tools to save them. Thank you. The things I need most are a suture kit, an injury kit, and a medic pack. Great. Then get started on those patients. Ok. Non, non, je pense qu'on n'a pas. C'est énormément. Ok, donc kit de suture. Est-ce qu'on l'avait crafté? Yes. Ok, parfait. You should see the other guy. You should see the other guy. You closed my wound. Ok, parfait. I won't miss staring at my own guts. Thanks. Would have bled to death without you. Parfait, dédain. What now? Alors, je vais demander, nous avons quelques questions. On va voir. Good luck. Alors, elle. Donc. Elle, c'est une trousse qu'elle veut. Trousse médicale. Et toi, tu veux sévèrement blessé, réutiliser l'une de vos trousses de secours pour lui sauver la vie. Jumped out of a building to escape the Dorseys. Didn't count on the ground stopping me. Attends, c'est pas la trousse, c'est l'autre. Jumped out of a building to escape the Dorseys. Didn't count on the ground stopping me. C'est pas la trousse médicale, c'est la trousse de secours. Je fais de la merde. Ok. Chargement. Pardon.
Alors on va essayer d'éviter hein, les rechargements. Pour l'instant, le plus gros chargement qu'on ait fait, et le seul vraiment, c'est le gros combat qu'on a littéralement perdu. Voilà, c'est juste ça pour le moment. Ok, je crois qu'on lui avait parlé. Ouais, on a sauvé lui. Il y a elle. On recommence. Attends, par contre, elle veut... C'est trousse médicale, c'est trousse de secours. Peut-être qu'on peut faire trousse de secours, ça. Désolé, hein, je prends un peu de temps, mais je veux pas me gourer. C'est encore le corps de bleu, mais c'est un spire. Mais soignant à l'aide d'un outil de base, vous pourrez utiliser l'une de vos trousses médicales. Non, c'est trousse médicale. Okay, ouais. Oh, just this woman he's been in love with forever. It still hurts, but they met way in the bazaar and she did. Saved him from getting into trouble. Think it still hurts, but now he's too but scared to do anything about it. Whoa! Thank hey! Quoi sa gueule? Jumped out of a building to escape the Dorseys. Didn't count on the ground stopping me. Car's a lot like an old dog sometimes. C'est parti. My leg. Feeling better by the minute. You keep saying you saved my life. This truck's dead is good. What now? Tout ce que vous pouvez pour les patients, ils doivent tous s'en sortir. Good. Thank you. Objet obtenu. I know I've asked a lot of you, and I'm grateful for what you've already done. But I need one more favor. See this girl? She was shot in the head. But there's no exit wound. The bullet's still in there. I need to keep constant watch on her, and I need cleaner, safer facilities to do it. Okay. If you let me use the facilities at your HQ, I'll do anything. I'll work as your doctor. I'll fucking juggle for you, Rangers. I just need to save her. What do you say? Ça marche. Nous n'avons pas besoin d'un docteur au final. On a fait tout ça pour rien. Thank you. Thank you. You've saved her life. And mine. Need anything before I get my stuff together? Tu peux nous soigner gratuitement. Let's have a look. Yes. Parfait. Good luck. Ok, donc on aurait pu faire ça en premier, on aurait pris de l'expérience et tout. Il faut vraiment du lance-flamme, putain de merde. Là, il nous faut des munitions pour ça aussi. Là, il nous faut vraiment... J'espère qu'il y a un magasin ici. Sinon on va être dans la merde. But that doesn't mean you can't trick it into doing what you want. Rangers, saying that. I'd chat, but this truck. There's a lot to wrap up before I make my way to your headquarters. How about we do a little wager? I bet I can get that truck up. Ok, parfait. Je vais voir les objets qu'on a eu, un stéthoscope. Premier soin plus un. Là, ça nous donne quoi, lèche-cul? On peut faire ça. Toi, t'as lèche-cul, en fait. On peut te donner ça. Ah oui, c'est vrai que les gens ont pris des niveaux. Ouais, premier soin plus 1, c'est bien, on est à 5. Toi, on avait dit quoi? Charmeur, peut-être. Dégâts d'ennemi, FMD plus 20%. Explosif. Peut-être. Ah oui, pour désamorcer, ça peut être bien. Ordure sournoise, 20% initiative, 50% dégâts furtifs. Ouais, non, on va faire ça. Et après, on arrêtera de monter pour le moment. Toi, on a dit modification d'armes. On va voir si on a besoin d'autre chose. Mécanique, ça peut être intéressant. Piratage d'ordinateur, piratage des robots. Ouais, non, on va faire ça, c'est mieux. Très bien. Elle, arme lourde, crochetage. Modification d'armure, crochetage. Bien. Ah tiens, on a avantage aussi. On va prendre ça. Toi, compétence automatique, lèche-cul.
tu vas être un gros lèche-cul. Précision et perception, dégâts à distance. Bon, voilà. Voilà, voilà. C'est pas mal, là, ce qu'on a fait. Est-ce qu'on aurait quelqu'un qui peut nous aider pour... Numéro 2, composant de fabrication. Genre pour les munitions. Ah, hello there. The name's Theodoric Curie. Theo for friends. I need to work on these gate hydraulics, but I always have time to answer some questions if you're here to learn about our wall. It's simply your standard concrete barrier with Tesla-styled electrical deterrence. Not an absolute marvel of what could be done, but sufficient for the task of keeping out enemies. If we had oil to power the generators, you'd see the glorious effect of thousands of volts of electricity arcing across it, deterring would-be attackers from approaching. Such a pity. Mm-hmm. I am the humble son of scientists. My mother and father were on a mission to pursue the possibility of cold fusion. Imagine, nuclear reactions at room temperatures making it safe for everyone. Sadly, they are gone, and my efforts to follow their work has been stymied by immediate dangers. Perhaps one day, I'll have the time to devote to such a monumental achievement again. Okay. Believe me, I understand. Thank you for stopping by, and good luck out there. T'as l'air intéressant, toi. Did you see the Dorseys almost blow up the statue? Yeah, oh, I was hiding under... Welcome to Mary Milkteeth's Morning After Mart. If you did some things last night that you wish you hadn't, I got you covered. I can clean you up, sober you up, cure your ills, and get you ready to face the new day. Cool. Or maybe you got banged up in the Dorsey raid. I can help with that, too. What do you need? Remedies for regret, children. Headache pills, hair of the dog, pills for the pox, pills for the pain, and first aid kits for those of you who might have started something you couldn't finish. All guaranteed to fill you with pep and put a spring in your step. What can I get you? Okay. Commençons. Here you go, children. Salvation is at hand. Alors, 40, ah, c'est chaud hein, les prix. Faire supprimer empoisonnement. Ça, les boissons alcoolisées et tout ça, c'est vachement bien si on a un gros mêlée en fait, un mec de corps à corps. Et qui a besoin d'être sous. On peut faire un truc comme ça. Genre il a 50% de dégâts en plus, je crois, un truc comme ça. Après, quand il est pas sous, il a un malus de 30%, je crois bien. Mais du coup, ça implique de à chaque fois en fait acheter de l'alcool et de toujours en boire. Mais c'est vachement puissant. Ah, c'est ça pour... Ouais, 150 pour réanimer les... Avant, je crois qu'on perdait directement les gens quand ils mouraient. Je crois qu'on perdait directement les gens et il fallait récupérer des nouveaux rangers. Là apparemment on peut les soigner même s'ils meurent pendant un combat. Jesus, loaves and holy mackerel. Better stay back from my stall. Those goddamn Dorseys dropped a landmine under it. Quoi? Les mines et désamorcer, mentir. On pourrait tout de même nous vendre du matériel. Heck no! That mine is right in front of my stock. Ok, alors attends. Yeah, yeah, you and everybody else. Attends. Donc on pourrait aller... Ok, on pourrait aller désamorcer l'explosif. Je vais tester ça, après on recharge. Vas-y, désamorcer. $56.
I'm back in business. Damn. I think Doc Parker can fix it. Ah, mais du coup, on a plus de... Ah, du coup, on a plus de... magasins. Ok. Du coup, on a plus de magasins. Par contre, il faut que je fasse une vraie sauvegarde, parce qu'à un moment, je vais me louper. On va sauvegarder rapidement sur une connerie. Et après, je vais être dans la merde. Ok, on va regarder la partie parce que j'ai pas envie de faire de la merde non plus. Wish I could get these Flipper and Marshals to take care of the dank bomb under. Yeah, yeah, you and everybody else. Allez, vas-y. Voilà. Wish I could get these Flipper and Marshals to take care of the dank bomb. Really? That's great news. I'm back in business. Est-ce qu'on a récupéré une grenade ou pas? Faudrait que ça soit qui? Ça sera elle qui désamorce? C'est elle qui a désamorcé, ok, je la reconnaissais pas, je croyais que c'était le mec. Welcome to the freshly reopened Taiwan Jones's Emporium! We have every fin- Oula, you didn't hear this from me, Franz. But word is, there's still Dorseys all around the city waiting to jump innocents such as yourself. Be sure to stock up with me, yeah? Genre dans la ville? M'étonnerait. Jeu de mots aquatique, on stocke. Sardinely. Ton taffé. Alors. Ah, ok, c'est bon. Alors. On a de l'armure et tout. Waouh, c'est ça tue. Ok. Donc il nous faudrait ça. Ok. Ok. Des requêtes, on en a. Enfin, de toute façon, on les utilise pas. Pour moi, on en a deux. CRPG 7, Flame, Werfer, arme lourde, lance-flamme niveau 7. On a un fusil de combat. Pistolet semi-automatique x10. Répétition à levier, donc ça, c'est un canoncier. Précision de niveau 9. Mon impression, c'est 42-58. Et là, ça serait 60-84. Le prix, ouais, non, mais c'est méga cher en fait. Ouais, pour l'instant, on va pas. Pour l'instant, on va garder de l'argent pour tout ce qui est munitions, quoi. Ça, on va en prendre un peu aussi. On va prendre un peu plus de lance-flammes, je crois. Après, le reste, on a. Après, on peut vendre les choses qu'on n'utilise pas, genre les munitions qu'on n'utilise pas. Genre par exemple ça, cartouche à boule de croix réelle, saison, munitions seulement utilisées, les armes tirées. Genre 130 si on vend tout, c'est intéressant. $5. Putain, c'est pas cher hein, toutes ces merdes, hein. Fais chier. C'est quoi qui fait du 5,56 fusil de combat? Ouais, 5,56. Ça, c'est à pointe. Non, on a quoi? Arme de poing, arme contendante, blanche, lance-roquette, lance-flamme, mitrailleuse lourde. Ah, je la voudrais bien, ça. Ah, mais on a déjà $147, on a quasiment plus rien. Les armures, on a un fusil automatique. Fusil mitrailleur, revolver, fusil de pression. On a plein de trucs, mais bon, il faut de l'argent, quoi. Vraiment sympa, vraiment sympa. Ok. Alors du coup, recharge. Onze de réserve. Ok.
on a un chargeur, là on a pas mal de munitions. Elle a pas trop de munitions non plus, on a deux roquettes. Lui le pistolet, je sais pas si ça vaut le coup en fait. Faudrait peut-être mettre deux types d'armes à lui. Je suis en train de me dire. Mais quoi? C'est ça la... Enfin d'abord le pistolet c'est peut-être bof, on va peut-être mettre autre chose. Il est au niveau 3. Enfin, non, il fait 23. Non, non, le pistolet c'est très bien en fait. Fusil de précision. Non, fusil de précision ça va être trop la merde. On va sûrement louper notre tir. Bon, c'est bien. On va faire le tour de la ville vite fait. C'est qui ça? I heard we had some new arrivals wash on in. Military types, they said. Can't really see the difference between you and the ordinary class of mercs. Don't take that tone of voice with the Rangers, Lupinski. Or what, Quan? You gonna arrest me? Fine, fine. What do you want? It's the Garden of the Gods. Rocks, experimental farms, and now those fucking Dorseys. Ah. Combien de Dorsey? Ok. Que veux-tu pour me laisser passer? Sheriff Daisy say so. Le feu vert de Chef Daisy. No room for amateurs in this town. You hear? No room. Le chat. Je crois que je vais faire une pause. Moi, ça fait plus d'une heure et demie que je suis dessus. Non, une heure à peu près. Chien. Composé de fabrication. Camelot. Ok, on a vraiment pas mal de choses. Là ça va, on est un peu mieux équipé. J'avais un peu peur pour les munitions. Mais on est quand même limité en équipement, on est quand même limité en munitions et tout ça, pour toutes les grosses armes en fait. Ah tiens, attends, on va mettre une arme de soin. Pour toutes les grosses armes en fait, on est vraiment limité en tout quoi. Le lance-flamme, on a très peu de lance-flamme, on a très peu de munitions, le sniper on a très peu de munitions aussi, mais bon elle au moins elle va tuer une balle et honnêtement, jouer sans le lance-flamme laisse tomber, sans le fusil de sniper laisse tomber. Mode jambière, on pourrait... Ça, tous ces modes-là, je sais pas si ça vaut le coup ou pas, en fait. Annuler modification. Oui. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, parce que les armures, elles sont pas encore super bonnes, ce qu'on a. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vend les modes et tout, mais bon, le jeu est super difficile aussi. Donc, j'ai envie de dire, autant tout utiliser, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai envie de dire autant utiliser les choses quoi. On a quoi? Armure 2. Ça c'est quoi? C'est armure 7. Toi t'as récupéré mon armure 8. Ouais on peut pas l'enlever en fait. Non on peut pas. Donc je pourrais sur ça modifier l'armure, mettre ça. Ça serait à 9. Très bien, toi, très bien, armure et bonus de soin, armure de 3 points, ouais. Tout le monde est vitesse de combat, armure. Me dire peut-être que ça... Non mais il y a vitesse de combat, c'est mieux que ça soit lui. Sur elle j'allais dire, mais bon, on va se débrouiller. Pourquoi elle a de la vitesse en plus? Ah oui c'est ça. Okay.
Alors, on va faire ça. Ah oui, je voulais voir juste les fabrications avant de qu'on arrête. Objet mystère. Mission calée, point, okay. Pour le moment, ça va. Allez, on va s'arrêter là, on va sauvegarder. Je vais m'arrêter là. Je suis content, ça se passe bien. En fait, on arrive à avancer. Tant qu'on arrive à avancer, ça va. Même avec la difficulté élevée du jeu, hein, ça se passe plutôt bien, j'avoue. Donc, bon. 12, 3 de défense, 12, 12, 6, 12. Ouais, ok. On continuera la prochaine fois. Ciao, ciao.